Dernier préparatif avant le coup d'envoi de cet événement, on ne peut plus exceptionnel à Morzine en matière de hockey sur glace. C'est une première pour les Pingouins et à la fois une véritable réussite. À l'instar des All-Star Games de la National Hockey League des USA, le HC Mag Challenge est en quelque sorte une rencontre décontractée de fin de saison autour d'un match et d'épreuves qui opposent la Team France à la Team Monde, tous pingouins. Ces épreuves, en plus du match composé de 2/3 de 15 minutes, sont au nombre de 3. Précision, vitesse et pénalty. Mais tout d'abord, la soirée débute par la venue sur la glace de Gérard Berger, maire de Morzine Avoria, qui lance le match. Un match dont le score est au final de 7-8 en faveur de la Team Monde. Et puis, autre temps fort de la soirée quand des membres du public sont invités à venir frapper le palais sur la glace. Ah, c'est génial, c'est amusant, on s'amuse bien, on est avec les enfants, ils sont très contents, oui. Bah, c'est agréable, ça fait découvrir le jeu de hockey. S'ensuivent donc les fameux challenges face à une cage spécialement recouverte d'une bâche avec des trous. Les joueurs ont seulement 10 palets et un maximum de buts à inscrire. Il s'agit du challenge précision. C'est le moment ensuite de la course en relais avec un tour de piste à parcourir pour chaque joueur. C'est donc le deuxième challenge. Le troisième est un temps de pénalty, comme nous pouvons le voir sur ces images. Total des opérations, la Team Monde remporte le challenge édition 2015. Sous l'acclamation des nombreux supporters présents, la soirée se clôture par un dernier tour de glace. Match, concert, animation, remise des trophées aux joueurs et ambiance festive, voilà une belle soirée de challenge pour une belle fin de saison HC Mag. Merci aux Pingouins de nous avoir fait vibrer cette année encore. On les retrouve très vite pour une prochaine saison à Morzine ou ailleurs. Yeah.